J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog entre guillemets sur ma petite vie personnelle. C'est rare maintenant que j'en fasse. Je vous fais quelques vlogs maîtresse. D'ailleurs, il y en a un qui est sorti il y a pas très longtemps. Je vous le mettrai dans le petit i. Et du coup là, j'avais envie d'en faire un. Je vous ai fait un petit sondage sur mon petit Instagram. Je vous le mets ici. Et puis vous avez été nombreux à me dire un vlog. Donc c'est parti, on commence un vlog. Donc on est vendredi aujourd'hui, c'est mon jour de congé. J'ai pas exceptionnellement mon fils parce que à la crèche il faisait une petite fête de Noël. Et du coup bah il voulait le garder pour qu'il puisse profiter des festivités. Donc on l'a laissé aujourd'hui. Donc moi je profite pas mal du tout, ça fait du bien. En plus mon mari est trop un amour, il m'a laissé dormir quoi. Il s'est occupé des petits ce matin et tout, c'est trop le top. Donc j'ai des petits colis à vous montrer parce que vous m'avez demandé aussi de vous les montrer dans un vlog. Donc je vais faire ça tout de suite. Ensuite je vais aller à Euralille pour celles qui sont du nord. Je dois aller me faire épiler parce que là ça commence à devenir limite critique. Puisque bah avec le confinement j'ai pas pu aller, tout était fermé. Donc là il est temps que j'y aille et je dois récupérer une commande Sephora. Je dois aussi, si j'ai le temps, faire un petit tour à Primark histoire de juste voir les petites choses qu'il y a d'intéressantes. Si je trouve le calendrier de l'Avent Harry Potter pour ma classe, bah je regarderai. Et ma foi c'est tout, j'ai acheté pas mal de fringues pour mes enfants il y a 2 jours je crois. Donc là je vais peut-être pas acheter de vêtements, sauf s'il y a un truc qui me tape à l'œil, mais je vais pas acheter de vêtements. Pour info, pour celles qui n'ont pas vu mon vlog maîtresse parce que ça ne les intéresse pas, les petites lunettes viennent du petit lunetier. Et ils m'ont offert ça en collaboration avec un code promo de 30% de réduction pour vous. Donc je trouve ça quand même très très sympa. J'en ai beaucoup entendu parler, beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, je pense que vous êtes comme moi. Et j'étais sceptique. Mais je les aime bien, je les aime bien. Alors ce sont pas des lunettes de vue, ce sont juste des lunettes, vous voyez les reflets là, c'est des, pour les UV, des écrans tout simplement. Les UV bleus je crois qu'on appelle ça. Et du coup, mais je les aime bien, je trouve qu'elles me donnent un style sympa. Et je crois qu'elles ressemblent à celle de Salomé dans ses vidéos, le monde de Salomé, je crois que c'est celle-ci qu'elle a là. C'est, je sais plus quelle, je vous mettrai le lien de toute façon de cette paire de lunettes là, mais je les aime bien. Donc je vous montre mes deux box, la Blissim et la My Little Box. Je vais commencer par la My Little Box parce que je trouve qu'elle est vraiment fabuleuse. J'ai juste regardé comme ça et déjà j'étais genre, donc je vais vous la montrer et la Blissim après. J'ai un code promo pour My Little Box de moins 5€ pour votre première box, ce qui n'est pas négligeable, donc c'est Karine5. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'hab. Et pour le Blissim, j'ai pas de code promo mais j'ai juste un lien. Je crois que ça vous apporte quelque chose mais je ne suis même pas sûre. Je suis moins fan de Blissim, hein, donc je vais vous montrer quand même My Little Box en premier. Déjà, je ne savais pas du tout qu'elle allait arriver comme ça. Elle est arrivée méga tôt. Et c'est une box en collaboration avec MAC. Donc on a une petite carte comme ça. Lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout. Je suis pas mal d'accord avec cette citation. Donc ça, j'aime bien. Et regardez-moi la trousse, mais elle est juste... waouh, elle est juste merveilleuse, quoi. Je la trouve divine. Donc là sur ce coup là ils m'ont épaté hein. La trousse elle est vraiment trop belle avec voilà des paillettes à l'intérieur et tout, enfin je trouve qu'elle est hyper qualitative. Et à l'intérieur qu'avons nous on a des produits MAC, on a une carte cadeau MAC, d'ailleurs je vais peut-être la sortir et aller l'utiliser chez tout de suite, je sais pas s'il y a une date mais je vais aller l'utiliser tout de suite chez MAC hein. Ouais je vais aller voir ça, c'est une carte cadeau de 15€, donc ça j'adore. Et regardez-moi les designs, elle est magnifique je trouve. Donc on a deux produits MAC, on a d'ailleurs un rouge à lèvres et c'est la teinte capricieuse 501, je l'ai pas celui-ci, je suis trop contente, j'adore les rouges à lèvres MAC, ce sont mes préférés. On a un fard à paupières comme ça, mono, ça je suis un petit peu moins fan, je vous le glisserai peut-être dans un concours, c'est le Amber Light, donc ça a l'air d'être un marronné, je sais pas si vous voyez bien. Un petit marron cuivré. Un produit de My Little Beauty qui est une mousse nettoyante visage, donc ça c'est super méga cool. Et on a deux autres petits produits là comme ceci. Là on a un écrin de rouge à lèvres. Alors ça m'intrigue. Sûrement pour glisser du coup notre rouge à lèvres MAC dedans. Ça m'a l'air super sympa. Alors voyons voir. Ah c'est des petits écrins comme ça à l'ancienne. Ça me rappelle trop les souvenirs. Open for Magic. Oh j'aime trop. Et le thème chez My Little Box est toujours à donf. Vous avez donc le petit miroir pour vous remettre du rouge à lèvres. Et vous pouvez glisser votre rouge à lèvres à l'intérieur. Mais moi j'adore. Et le deuxième produit c'est les bracelets qui feront parler d'eux. J'aime beaucoup trop encore une fois, regardez-moi ça. Les bracelets un peu, oula, un peu style infini là. Et les grosses mailles comme ça qui sont hyper tendance. J'attends une commande d'ailleurs de bijoux là.
Ils sont trop beaux. Alors, ils sont méga légers. Hein. J'ai peur que si vous mettez un petit coup dedans, vous accrochez à quelque chose, ils seront cassés. Mais ils sont hyper légers. Donc, je trouve ça cool. Elle est trop belle, cette box. Carte cadeau, deux produits MAC. Elle a la trousse, elle est juste magnifique. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est le moment de craquer. C'est le moment de craquer, les filles. C'est le moment. Pour la box de Blissim. Donc, pareil, c'est un petit pochon vert comme ça. Donc, c'est sympa aussi. Ça fait festif. C'est sympa, cette espèce de vert un peu serpentard. Il est très beau. Mais j'ai vu, les produits ne m'ont pas plus emballé que ça. Bah, il y a quand même un petit effort hein, de la marque, mais bon. Donc, on a un petit sachet de thé là, c'est sympa. Un petit produit Nuxe, comme ça, c'est plutôt cool. Une crème de nuit Polar, donc ça, on l'a souvent dans les box. Donc, il paraît qu'elle est bien, hein, pourquoi pas. Moi, je crois que la compo n'est pas terrible, donc j'ai jamais testé. Mais sinon, je voulais glisser dans un concours. Je crois que ça, c'est un shampoing ou quelque chose comme ça. Ça m'intéresse pas trop. Et on a, voilà, la petite merveille du mois là, c'est une palette Sleek, mais je crois que je l'ai vue. Et les couleurs ne m'enthousiasmaient pas. J'ai vu sur une vidéo, les couleurs me plaisaient pas. Donc, à voir, je vais l'ouvrir aussi après. Et ça, un petit baume L'Imparfait, un petit sérum éclat pour peau épanouie. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Mais c'est sûr que par rapport à la My Little Box, elle envoie un petit peu moins du lourd, même s'il y a des jolis produits quand même, des jolies marques. Polar, c'est quand même une belle marque. Nuxe aussi, Sleek aussi. Ces deux produits-là m'enthousiasment moins. Une palette, c'est plutôt cool. Mais je pense qu'il y a pas mal de produits là de mes dernières box que je vais vous glisser dans des concours sur Instagram, hein. N'hésitez pas à me retrouver, comme je vous le dis, mais je vous fais plein de petits concours en ce moment là-bas. Je vous propose plein de petites choses. D'ailleurs, j'ai des produits OPI qui vont être à gagner. J'ai des produits là d'une marque trop trop bien là qui est ici. Une marque bio, vegan, etc. Donc j'ai plein de petits trucs à vous faire gagner. Donc je vous attends là-bas. On se retrouve en fin de journée. J'ai mis sur mes lèvres le fameux rouge à lèvres qui était dans la My Sweetie Box, là, le 501. Il est un peu en transparence. Il est crémeux. C'est dans la gamme Lustre. Il est trop beau. C'est genre le rouge à lèvres qu'on met tout le temps, je trouve. Hein. J'aime bien ce genre de rouge à lèvres. Je sais pas s'il y en avait d'autres dans les My Little Box. Mais en tout cas, celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc cet après-midi, vous n'allez pas le croire, mais j'ai complètement oublié de ramener ça à Euralille. Et puis honnêtement, il y avait énormément de monde. Primark, j'y suis pas allée parce qu'il y avait la queue, mais alors qu'on est vendredi, quoi. J'imagine pas le week-end. Donc j'y suis pas allée. J'ai juste été chercher une commande Sephora qui n'est pas pour moi, c'est pour un cadeau. Et je suis passée chez NYX parce que j'ai cru comprendre, grâce à Emma de la chaîne Emma Cup, qu'il y avait trois produits achetés, trois produits gratuits dans toute la boutique. Donc ça valait le coup, on payait les trois plus chers et les trois plus moins chers étaient gratuits. Donc j'ai pris des petites choses pour moi et pour offrir, j'ai repris le liner ink de la marque qui est le plus célèbre. Mais j'avais été déçue la première fois que je l'avais acheté. Mais je me suis dit, je vais retenter parce que peut-être qu'il avait un défaut, etc. Donc, les poils étaient partis en cacahuète, etc. Donc là, je l'ai repris, je l'ai retesté. Je l'ai pris en noir marron. Donc, c'est le liner Epic Ink. Et j'ai pris un liner pailleté bleu foncé. Donc, je vais essayer d'ouvrir ça et vous montrer ça peut-être demain. J'essaierai de les utiliser. Je vais voir ça. Mais du coup, j'ai fait que ça, en fait, parce que, bah, il y avait trop, 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 trop de monde. Et je me suis fait épiler, évidemment, aussi au passage. Donc, voilà pour ce soir. Ah oui! Faut que je vous montre. Dans mon vlog que vous avez sûrement vu dans ma classe, j'ai donc acheté pour moi, c'est mon édition à moi, il coûte 35 € l'Ikabog, le dernier livre de J.K. Rowling. Donc, merci à Karine qui a été l'acheter pour moi puisqu'elle était au magasin. Elle l'a acheté aussi pour son fils. Et du coup, il y a le dessin de ma Sarah dedans, hein, vous l'avez vu dans mon vlog. Oui, j'ai une élève qui a son dessin dans le livre de J.K. Rowling. C'est juste un truc de dingue, je trouve que voilà, je vous en ai parlé dans mon vlog. Hein, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le découvrir. Du coup, je suis contente parce que c'est mon édition à moi, celui-ci. Et je vais le ramener en classe. Ma petite Sarah va signer dedans. Bah oui, parce que c'est notre star, hein. C'est notre petite star à nous. Donc elle va signer dedans et ce sera mon collector à moi. Il est trop beau, vraiment. J'ai hâte de le lire, du coup je pense que je vais commencer à le lire ce week-end. Parce que j'ai bien envie de savoir un petit peu de quoi ça parle, ce fameux livre, ce nouveau livre. Et puis je vous en reparlerai si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Je vais maintenant, de ce pas, aller envelopper le swap calendrier de l'Avent, qui est en retard, puisqu'on est déjà début décembre et que j'ai toujours pas envoyé avec ma... quelqu'un qui est très cher à mon cœur, mais vous verrez ça sûrement prochainement. Donc je vais aller finir de l'emballer, emballer les derniers colis, les derniers cadeaux, etc. Bien emballer tout ça, et mon chéri va le déposer sûrement ce soir ou demain matin, pour que ça parte le plus vite possible. Voilà. Que de choses, que de choses, que de choses. Je remets mes petites lunettes parce que j'ai un mal de crâne énorme et je me dis que ça va peut-être me faire du bien. Voilà, même si en emballant mon swap, je vais regarder sûrement des petites vidéos de copines sur YouTube. Donc au moins comme ça, j'ai ma protection. Bon, mon swap est emballé. Honnêtement,
Je sais même pas si mon carton va fermer parce que c'est blindé quoi. J'ai fait des petites étiquettes comme ça. J'espère que ça plaira à ma swapper. J'ai mis des petits emballages comme ça pour recycler parce que j'en ai tellement des emballages comme ça. C'est fou qu'il faut les recycler. Hein. Je vais pas les jeter, ce serait dommage. Des petites gourmandises, enfin voilà. Mais j'ai hâte qu'elles le reçoivent. Je vous retrouve le lendemain matin, j'adore ce petit pull grain de malice et j'ai fait un petit make-up un petit peu assorti. Je vais vous montrer avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui parce que c'est des petites nouveautés pour moi. Du coup, bah vous voulez peut-être mon avis. Déjà, j'ai craqué sur Sephora, je voulais pas montrer encore dans une vidéo haul et je sais pas si je le ferai, mais j'ai craqué pour cette palette Hourglass. J'avais aucun produit de cette marque-là. C'est une marque qui coûte assez cher et du coup, avec moins 25%, je me suis dit, bon, allez, Karine, tente. Et c'est une palette qui est composée comme ça de 6... pas fard à paupières, mais de six pannes, exactement. Deux blushs, un bronzer, un highlighter et deux poudres entre... Alors, ces deux poudres-là, c'est des poudres que vous pouvez utiliser pour des poudres de finition, tout simplement pour poudrer votre visage ou pour... vous avez une teinte claire et une teinte médium, elle est là. Et ça, je les ai pas encore utilisés, mais j'ai utilisé l'enlumineur aujourd'hui, le bronzer et les deux blushs, je les ai utilisés aussi ces derniers jours. J'aime bien parce que je trouve que ça en finit, je sais pas si vous le verrez avec la luminosité, mais ça en finit quand même très doux, je sais pas, j'aime beaucoup. C'est comme si ça se fondait à ma peau. Là, j'ai baissé la luminosité, j'espère que vous le voyez bien, mais je trouve que voilà, c'est hyper joli, hyper doux, donc je l'utilise encore un peu tous les jours, mais je trouve qu'elle est pratique en plus tous les matins et tout, je trouve ça très très sympa. Et aujourd'hui j'ai utilisé cette palette là, c'est la première fois que je l'utilisais, donc c'est la Book of Magic de Beauty Bay sur je crois sur mon onglet communauté YouTube et sur Insta. Je vous ai pas mal partagé les codes promo de Beauty Bay, d'ailleurs ils m'en avaient offert un de 10% supplémentaire sur la marque, mais ça sera plus d'actualité au moment où vous verrez cette vidéo. Et du coup bah j'avais craqué pour cette palette, vous avez vu ça dans mon dernier haul hein. J'ai pas mal craqué chez Beauty Bay parce qu'il y avait quand même des super offres et cette palette me donnait envie, surtout les luminés en fait ont l'air hyper crémeux. J'avais fait quelques swatchs et ils sont vraiment beaux, mais aujourd'hui en me maquillant j'ai galéré. J'ai utilisé en fait celui-ci là, l'espèce de, marron kaki. J'ai utilisé celui-ci qui est sublime et le noir parce qu'il fallait que j'essaie d'accentuer un petit peu. Je vais vous montrer de plus près. Hop, je vous montre de plus près le résultat, ça fait un joli make-up, hein. Mais j'ai galéré avec le kaki en fait qui est ici, parce que il est patchy en fait, j'ai eu du mal à le travailler, il s'enlevait, ça faisait des traces un petit peu blanches, je sais pas si vous voyez là, dans le creux, c'est pas hyper uniforme, donc j'ai un petit peu rajouté du noir comme ça, et puis j'ai utilisé un autre kaki d'une autre palette pour compléter, mais j'ai un peu galéré, sinon les lumineux sont vraiment très très beaux, hein. Vous le voyez là, c'est une espèce de duochrome comme ça, quand vous changez... Ça fait un autre effet, il est vraiment trop trop beau. Et au niveau du mascara, je voulais trop vous en parler dans une vidéo, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo favori et flop, mais c'est un gros favori, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent DIY Essence, je vous le mettrai ici, j'avais fait une vidéo unboxing, c'est le Instant Volume Boost de chez Essence, je pense qu'il coûte 2-3 €. Il est juste trop bien. Moi qui ai des tout petits cils avec très peu, une petite courbure, mais j'ai pas grand chose, mais ils sont tout petits quoi. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de longueur. Celui-ci il est trop trop bien. Regardez-moi cette brosse très bizarre. Eh bien écoutez, il marche très très bien. Je l'aime beaucoup, je vous le conseille si vous tombez dessus, vraiment sautez. J'ai déballé mon petit livre, il est juste magnifique. Oh, il y a un défaut, bravo. Il y a un petit défaut de page. Enfin bon. Ouais, pour le prix quand même, hein, il pourrait faire un petit peu attention à hein, Gallimard. Regardez, il y a un défaut là, c'était plié. Ouais, vous allez me dire c'est pas grand chose, mais il faut que je recoupe proprement quoi. Mais pour 35 € quand même. Donc j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Et là, ouais, j'ai vu le dessin de mon élève. Ouh là là, je suis tellement, tellement fière d'elle. Bon bah je vais commencer ma petite lecture, maintenant que je l'ai ouvert, il est trop beau ce livre. Je sais pas si vous l'avez lu, mais n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez. Je vous lis juste le petit synopsis derrière. Oh, comme deux chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées, telles des lames, l'Ichabod arrive. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Et pour celles qui sont du Nord, hein, vous connaissez sûrement La Voix du Nord, le journal du coin, eh bien, nous sommes dans le journal avec ma classe. Oui, 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 on a eu un article dans le journal, on a eu deux articles dans le site de notre ville, parce que bah on a été quand même gâtés. Là, on a eu un article par rapport à des lettres qu'on a fait pour des soldats. Sur le site de notre ville, on a eu deux articles, un sur ma classe Harry Potter, et le deuxième sur mon élève qui a gagné le fameux concours. Donc, pas mal de fierté ces derniers temps, c'est plutôt sympa.
J'ai craqué chez Auchan avec, pour quelques vêtements pour mes enfants. Je vous les montre rapidos. Hein. C'est vraiment pas cher, mais c'est pour leur danse de fin d'année. Donc j'ai pris des petits hauts comme ça, des petits ensembles plutôt sympas. Regardez celui-ci avec écrit cool, 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 cool. Et il coûte 2,99€ quoi, le pantalon. C'est, on dirait un peu des pantalons de pyjama. Mais bon, moi je les mettrais même le week-end quoi. Des pantalons de week-end, on va dire ça comme ça. Hein. Pour aller avec le cool, 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 là on a pris celui-ci. My dad, pareil. Il est plutôt mignon. J'ai pris un petit pull comme ça pour mon fils, là, mon dernier, parce que je suis un petit peu en galère de pull. Il est trop sympa ce petit pull-là. Et chez Auchan, les prix sont vraiment pas chers, hein, 6,99€. Et la qualité est pas mal du tout, hein, je trouve, par rapport à Kiabi, etc. J'aime bien. Un petit pantalon très sympa comme ça, pareil à 4,99€. Non mais le petit pantalon, trop mignon quoi. C'est vraiment pas cher. Si vous connaissez pas les vêtements d'Auchan, ils sont très sympas et pas chers du tout. C'est la marque Inextenso. Un petit haut comme ça, donc j'ai pris les mêmes. Avec le petit pantalon, ça c'est pareil, 2-3€. Et j'ai pris pour mon fils, mes deux fils en fait, comme ça. J'aime bien des fois de temps en temps les habiller pareil. Oui, je me fais des délires quand je trouve des fois les vêtements pareils comme ça, je prends. Et un petit jogging comme ça pour mon grand garçon. Je vous montre ce que j'ai acheté du coup chez NYX, hein, je vous en ai parlé hier. J'ai pris un liner, le bleu comme je vous disais. Et d'ailleurs il est bleu nuit quoi. C'est la teinte Stage Trooper. Donc vous voyez il est là, mais quand on voit le packaging c'est comme ça quoi. Il est bleu nuit, il a l'air pas mal du tout. Je pense que je vais bien aimer. Pour les fêtes et tout, par dessus un make-up il va être sympa. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, il est presque même ouais, bleu nuit hein. Je vous fais un gros swatch histoire que vous voyez le truc quoi. Je vous montre un gros swatch pour que vous voyez bien les paillettes, les reflets. J'en ai deux déjà de cette gamme là, j'aime bien. Donc c'est pas du tout fidèle au packaging hein, quand même. Mais bon, sinon il est pas mal du tout. Je vous ai dit, j'ai pris les liners comme ça, Epic Ink. J'ai pris la version marron et la version noire. Je vous montre que la version marron swatchée parce que c'est celui que j'ai envie d'utiliser rapidement. Ah, je m'attendais à un marron un petit peu plus foncé quoi. Oh, il est un peu clair, je trouve. Ouais, c'est dommage. Et le rouge à lèvres, c'est les tout nouveaux rouges à lèvres, comme ça, la petite gamme, comme ça, un peu transparente. J'étais pas hyper attirée par ces rouges à lèvres-là, mais bon. C'est vrai qu'ils sont très beaux au niveau packaging. Hein. Ils sont méga crémeux. Il y a un petit côté taupe là, que j'aime beaucoup. Je pense que je vais le mettre aujourd'hui, tiens. Là, vous voyez bien le résultat. Il est pas mal, hein. Il est taupe froid, là, j'aime bien. Alors ça va pas aller à tout le monde hein, ce genre de couleur là, hein, mais j'aime bien. Où est-ce que j'ai mis le bouchon? Il est là. Le packaging se présente comme ça pour ceux qui sont intéressés, hein, tout transparent. Ça fait un peu cheap quand même, hein, je vous avoue, mais il était autour de 3,99€ je crois, 3,90€. Mais dans la boutique là, il y avait 3 achetés, 3 gratuits. Donc. Et il y a deux autres choses que j'ai achetées qui étaient donc des cadeaux. Je viens d'ouvrir un petit colis, là, la boîte elle est ici et je vous l'ai présenté sur mon Instagram et j'ai envie de vous en parler ici parce que je vais les tester sûrement demain. Si le vlog n'est pas trop long, je vous dirai en même temps mon avis. C'est la marque Nativis et honnêtement cette marque Made in France, vegan, avec que des produits naturels est hyper prometteuse. Je trouve le concept très intéressant, il y a deux gammes, une gamme rose tout simplement et une gamme un peu orange. Celle-ci s'appelle Douceur d'antan avec des odeurs un petit peu... ouais, des souvenirs d'enfance un petit peu. Et celle-ci, moi, elle me rappelle plus celle-ci, mon enfance. C'est la gamme, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vais vous dire ça tout de suite. Énergie positive, donc c'est plus frais, plus agrumes, vous voyez ce que je veux dire. Celle-ci est à base de rose, celle-ci à base d'agrumes. Et honnêtement, j'aime beaucoup les deux gammes qu'elle propose. Il y a une variété de produits. Vous avez des huiles. Là, moi, je vais l'utiliser en huile démaquillante, mais c'est une huile aussi qui est utilisable sur le corps. Il y a des savons solides, il y a des gommages corps. Vous avez des parfums solides comme ceci-là. Vous frictionnez et vous parfumez avec. Vous avez aussi une mousse pour le corps là qui vient juste de sortir pour les fêtes de Noël. Il y a vraiment pas mal de produits. Je vous invite à aller découvrir le site Nativis. Et j'ai un code promo pour vous de 15% qui s'appelle Karine. Crine exactement 15. Je vous le mets ici à l'écran et dans la barre d'infos. Et j'ai un coup de cœur pour cette marque là parce que j'aime beaucoup la personne qui le fait. Elle a vraiment un concept très original. C'est une personne d'origine tunisienne et elle a fait tout à partir de produits français, des produits naturels. Et l'odeur lui rappelle du coup son enfance en Tunisie. Je trouve ça trop... Enfin, l'histoire est trop adorable. Donc ce soir, là, je vais glisser dans ma salle de bain. Je vais utiliser ce gommage ce soir pendant ma douche. Et l'huile démaquillante aussi. Alors moi, je vais l'utiliser en huile démaquillante. Si elle fonctionne bien, je vous en reparlerai parce que j'adore les huiles démaquillantes. Je pourrais l'utiliser aussi sur le corps, hein, c'est l'avantage. C'est un 2-en-1, donc ça peut être très sympa. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un petit coup de cœur. Et je vous fais gagner, si vous êtes sur mon Instagram, je vous fais gagner un des produits à votre choix. Là.
C'est vous qui allez pouvoir choisir le produit sur la boutique, sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à me retrouver. Je suis désolée, c'est que sur Insta, mais voilà, je vous partage l'info ici. Regardez la mignonnerie que j'ai achetée à moins 25% chez Sephora. Et d'ailleurs, le baume là, Hangover, il est vraiment bien pour les lèvres. J'aime beaucoup. Donc ça, vous savez que je l'aime bien, même si la compo est pas top. Et regardez ce petit truc là. Il m'a rien coûté, hein, ce petit kit avec moins 25%, ça valait le coup. C'est trop mignon, j'adore. On découvre ensemble la Dégusta Box. D'abord, le petit thème du mois. Alors, fête de fin d'année, évidemment. Il y a l'air d'avoir de petites choses sympathiques. Là, je trouve ça trop bien, quoi. D'avoir du pain, des petits pains comme ça, jaquet nature bio. Ça, c'est trop pratique, c'est trop sympa. Ah, les fameuses chips bread. Honnêtement, celles-ci, ce sont les meilleures. Hein. Là, c'est version baie rose et poivre bio, 100% bio. Donc ça, c'est trop bien. Ça, ça me donne bien envie. Moi, j'aime bien les chips au poivre en plus. Oh là là, mais moi je trouve déjà que cette box elle déchire quoi. Là, des wraps, moi j'adore les wraps avec une petite salade, une petite, un petit peu de kiri dedans et de l'avocat. Mon dieu, c'est trop bon. Alors ça je bois pas, mais je vais le garder pour ma maman parce que quand elle vient comme ça elle pourra le boire. Elle aime bien ces petites espresso, vous savez, un peu soluble là. Elle aime bien ça, donc ça c'est cool. Pour ce vrai, soit version multigraine, soit version nature, hein, un de dans votre box. Les petits saucissons, alors nous on mange pas de saucissons ici, mais dans l'idée c'est sympa, hein, des mini saucissons secs comme ça et des petits saucissons, donc encore tout petits comme ça, ça c'est cool, mais bah, je vais les donner parce que nous on n'en mange pas. On a des petites boissons comme ça qui dit bulles, alors, je connais pas du tout, hein. Ça fait un peu penser au packaging pour enfants à base de pommes et de fraises, hein, on dirait. Donc je sais pas si, alors moi je donne pas trop de boissons gazeuses pour mes enfants, donc je sais pas si mon mari va vouloir les boire, mais moi je vous avoue que ça me donne pas envie. Et ça c'est trop marrant parce que dans mon drive ils nous ont donné un gratuit. Donc, je sais pas pourquoi, mais dans notre commande, ils m'ont donné un thé citron Contrex comme ça là, et ben j'aime bien. Alors je vais pas boire toute la bouteille d'un coup parce que je vous avoue que c'est pas sucré, hein, mais je sais pas, c'est un goût un peu spécifique quand même. Mais ça passait. Donc celui-ci c'est cool parce que c'est à l'abricot. Ah, on a une petite gourmandise comme ça de la marque Ragusa. Il paraît que je crois que c'est du bon chocolat ça. On en avait déjà eu et c'était pas mal. Donc là on dirait des petites barres un peu de chocolat. C'est marrant le packaging. On a deux boîtes de conserve, une potée au chou comme ça de William Saurin, qui est une marque mythique, et on a bœuf bourguignon. Bah, pourquoi pas. Ça fait pas très Noël, mais bon, on va dire que ça peut dépanner quand on est en galère. On a une autre boisson, la Snow Melt. Alors ça, je connais pas du tout, quoi. Je connais pas du tout de la marque Upslop. Ah bah ça on est trop content, nous on adore les Dartini, je sais pas si vous connaissez, mais c'est alors nous c'est sans alcool qu'on achète, donc là je pense que c'est pareil, hein, c'est des petites boissons un petit peu sans alcool. Et là il y a fruits rouges et agrumes, donc ça ça fait fête de fin d'année, hein. ça nous plaît parce que nous on boit pas d'alcool, donc ça c'est trop cool. Bilan de cette petite box là, et bah écoutez je l'aime bien, après est-ce qu'elle fait fête de fin d'année? Non. Il manque un truc quoi pour que ça me fasse penser aux fêtes de fin d'année, mais il y a plein de petites nouveautés à tester et ça j'aime bien. De toute façon la Dégusta Box c'est ça qui est cool, hein, c'est que vous allez tester plein de petites nouveautés. Je vous mets dans la barre d'infos mon bon de réduction de 5€ pour avoir la livraison gratuite. Donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos, hein, toutes les infos si ça vous intéresse de craquer pour cette box mensuelle. Je vous retrouve dans la fin de ce vlog. Oui, j'ai décidé de dimanche de profiter de ma famille et de pour travailler ma classe tout simplement. Vous le savez, moi le dimanche je travaille beaucoup ma classe. Je le fais aussi le vendredi, mais quand même vendredi là j'ai pas pu le faire, bah je le fais dimanche. Du coup je voulais vous parler en cette fin de vlog de mon méga bon plan pour avoir une montre connectée gratuite. Oui, je vous en ai parlé sur Instagram et vous avez été nombreuses à me demander une vidéo. Je voulais vous faire une vidéo dédiée avec d'autres bons plans, etc. Mais j'ai vraiment pas le temps. Donc je vous en parle dans cette vidéo et peut-être que j'en reparlerai à l'occasion dans une vidéo dédiée. En fait, grâce à ma petite Jessica de la chaîne Ticia Miel, vraiment allez la découvrir sur Insta ou sur sa chaîne YouTube, eh bien elle m'a dit, bah tiens, je sais qu'il y a un bon plan, tu peux avoir une montre connectée pour gratuitement tout simplement. Donc elle m'en a parlé et tout, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas et tout tenter. Alors avant de vous en parler, je voulais être sûre du bon plan, quoi, de tester moi-même et de pas me faire avoir pour vous en parler après. Je voulais en fait tester les montres connectées tout simplement parce que je voulais en acheter une, mais j'avais pas envie d'investir tout de suite dans une montre à 150€ si je suis pas sûre d'aimer ce style d'objet, on va dire ça comme ça, parce que c'est un peu un objet made in gadget, un peu la suite de notre téléphone, donc
En fait, avec mon masque à l'école, j'arrive pas à voir parfois mes messages sur mon téléphone. Du coup, je me suis dit que la montre connectée où on voit ses messages, c'était plutôt pas mal parce que comme ça, je pouvais voir les petits messages de mon mari ou etc. En plein dans ma classe sans avoir à sortir mon téléphone. Et ça peut être pratique pour ça en fait, pour éviter de galérer. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je fais ça là. Donc bref, pour éviter de sortir mon téléphone à chaque fois et d'avoir là au moins si mon mari m'envoie un petit message important sur mes enfants ou quoi, bah je suis au courant. Donc j'avais envie de tester, donc j'ai eu un site, elle m'a donné un lien en fait sur Facebook, il y a un groupe en fait Facebook exprès pour ça, où j'imagine que ce sont des sociétés chinoises, mais je ne suis pas sûre à 100% de ce que je vous dis, mais en tout cas, je vous mets le lien de ce truc Facebook. En fait, quand vous contactez la marque parce que vous êtes intéressé pour tester une montre connectée ou il y a plein d'autres choses à tester en fait à part des montres connectées, je crois que vous pouvez tester aussi des écouteurs, des choses comme ça. Enfin bon, vous, il faut avoir un compte Amazon déjà pour pouvoir se lancer dans cette aventure. Il faut avoir un compte Amazon, avoir déjà dépensé plus de 50€ dans l'année chez Amazon dans des commandes diverses hein, que vous avez fait. Moi, c'était le cas. Je commande rarement chez Amazon, mais j'avais déjà dépensé à peu près 50€ dans mon année, donc j'ai pu le faire. Vous commandez la montre connectée, il va vous dire quelle montre choisir, etc. Vous la commandez, vous la recevez chez vous. D'ailleurs, j'ai reçu méga vite. Pourtant, je suis pas Prime, mais je l'ai reçu, je pense, en un jour, quoi. Ensuite, vous la testez pendant 3 jours. Vous faites un avis sur cette montre-là. Vous devez laisser un avis sur Amazon, sur la montre, tout simplement. Si vous avez choisi la montre rose, mais c'est ce que je vous conseille pas, parce que je sais pas si vous verrez, mais elle est devenue toute burk, hein. Alors qu'au début, elle était trop belle, trop fraîche et tout. Là, voilà, je vous conseille vraiment de prendre une version peut-être noire ou une couleur plus foncée, ça sera peut-être mieux. Mais alors celle-ci, je l'aime beaucoup, hein. J'essaierai de vous mettre la référence quand même si elle vous plaît. J'aime trop trop, alors hop, je vais l'enlever pour vous montrer un peu de plus près. Donc vous choisissez votre montre connectée, vous mettez votre avis, etc. au bout de 3 jours. Et la marque valide votre avis et ensuite elle vous rembourse. Il faut avoir un compte PayPal. Si vous n'avez pas de compte PayPal, elle vous rembourse en bon cadeau sur Amazon tout simplement. Comme ça vous pouvez racheter des choses sur Amazon. Donc voici celle que j'ai, mais je sais que c'est pas tout le temps la même. Donc on peut changer l'écran là, donc il est plutôt pas mal ce petit écran. Vous avez donc différents types, hein. Vous pouvez la garder la nuit pour qu'elle dirige votre sommeil, etc. Vous pouvez de l'autre côté, alors qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté déjà? Il y a le mode veille de l'autre côté si vous voulez la mettre en veille ou éviter les vibrations, etc. Vous avez aussi en haut, c'est tous vos messages, donc là il y a tous mes messages, que ce soit Instagram, etc. Tout est lié à une application, donc il faut utiliser l'application sur votre téléphone qui va s'auto-régler avec la montre. C'est plutôt bien fait. Donc voilà, ça c'était la mienne, d'ailleurs je sais même plus c'est laquelle. Puisque oui, j'en ai deux, mon mari, je lui ai dit de le faire. Je lui ai dit, mais vas-y, mets-le, attends, ça marche et tout, c'est trop bien. Alors mon mari dit, mais c'est de la surconsommation, ça sert à rien. Sauf que moi, je lui ai dit de la faire parce que soit je vous la fais gagner sur mon Instagram, soit je l'offre à mon papa, je vais voir, ça pourrait peut-être lui faire du bien que je lui offre. Donc honnêtement, je pense que je vais la garder pour lui et lui offrir. J'en ai déjà offert une l'année dernière, mais il m'a dit qu'elle fonctionne, ou il y a 2 ans, je crois, je ne sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais il a tellement adoré qu'il l'a beaucoup utilisée et qu'elle ne marchait plus, alors je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, voilà, je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion de lui en racheter une à lui. Donc voici, oula, si je perds le papier, voici comment ça se présente, hein, c'est des petites boxes comme ça, vous avez la montre. Cette fois-ci, je l'ai choisie en noir parce que elle est plutôt pas mal en noir, hein. Donc au moins, ça ne salira pas, hein. Et moi, vu que ça me plaît plutôt bien, je m'en achèterai peut-être une un petit peu plus haut de gamme. Je sais pas encore, je pense pas acheter l'Apple Watch, etc. Mais une un peu plus haut de gamme, parce que celle-ci, elle me plaît bien quand même. C'est vrai que c'est pratique, après, est-ce que ça vaut le coup d'en acheter une à 300€? Je crois pas. Donc voilà pour ce méga bon plan, je vous mets donc le lien du... C'est un groupe Facebook, je crois, ou un truc Facebook en tout cas. Donc, je ne sais pas, ne pas passer par ce groupe-là. Je ne sais pas, si vous n'avez pas Facebook, bah, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Si vous n'avez pas dépensé 50€ sur Amazon en un an, eh bien, vous ne pouvez pas participer. Et voilà, je vous ai tout dit. En tout cas, si vous remplissez ces conditions, je vous mets le lien. N'hésitez pas à aller craquer pour une montre qui vous sera totalement remboursée. Donc, c'est quand même trop cool, non? Voilà pour ce petit vlog. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il doit être déjà très long. Là je dois ranger. Je pense que je vais vous montrer pour que vous voyez à quel point c'est le bazar dans ma pièce entre guillemets ma pièce YouTube. Mais c'est le bazar, regardez moi ça. C'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar. Donc je vais donc m'empresser de ranger tout ça parce que mon mari demain travaille à la maison et il a besoin de mon bureau. Donc on va ranger un peu cette pièce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros gros bisous. N'hésitez pas à liker tout de suite maintenant si c'est le cas, si elle vous a plu. À vous abonner si vous êtes content que je vous ai partagé ce bon plan. Et si vous voulez une vidéo spéciale bon plan, je vous en ai fait d'autres déjà. Je vous les remets
en barre d'infos si vous voulez checker ça. Et puis j'essaie de vous en faire une prochainement. J'espère que j'aurai le temps. Je vous fais des gros bisous. Salut!